Donc Sanou Ndiaye du groupe No Stress Land. La particularité de cette année, c'est qu'habituellement, c'est nous qui avions l'habitude d'aller livrer les produits aux familles ciblées. Mais cette année, c'est elles qui nous rejoignent ici sur ce site. L'autre particularité, c'est que nous avons des parrains. Nous citons M. Cheikh Ndiaye, secrétaire général d'Air Sénégal, SA, Mme Faris Enfal, colonel des douanes, Maradien du groupe Futur Média, et l'invité d'honneur, malheureusement, qui n'est pas encore là, c'est le ministre Abdou Karim Fofana, qui nous accompagne depuis quelques années maintenant. Cette année, nous avons 200 familles, hein, comme l'année passée. Bon, peut-être disons que nous avons commencé avec 15 familles en 2013, sommes montés progressivement. De 15, on est allé à 36, 36, 55, 55, 100, 100, 150, 150, 200 l'année passée. Cette année, on réduit les 200. Parce qu'il est difficile de réunir assez d'hommes pour 200 familles. Mais grâce à Dieu, nous avons pu atteindre l'objectif que nous étions fixés. Les dons sont composés d'un sac de riz de 50 kg, de 10 litres d'huile, d'une bouteille d'eau de 10 litres Casamance 16 et d'un pack d'eau aussi Casamance 16, d'un carton de lait, de 5 kg de sucre, de dattes, de lait, de détergent et de la farine. Les perspectives, comme j'ai souvent eu à le dire, nous allons sur le fun. Bon, il est clair que nous avons des actions classiques, actions phares, c'est-à-dire le mois de mars, c'est les femmes qui sont détenues dans la maison d'arrêt pour femmes libératrices, c'est tout le mois de mars. Je pense qu'on en a fait 4 ou 5 éditions maintenant. Ce que ça nous a d'ailleurs valu l'année passée d'être décoré de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire. Bon, l'action qui suit, c'est les enfants atteints de cancer. Nous en sommes à 7 éditions. Cette année, sera, Inch'Allah, 8 éditions. Entre autres, nous sommes allés à la pouponnière de Mour, nous sommes allés à Niaïhaï, près de Yen, où sont retranchés nos parents albinos. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à une heure de Dakar. Mais il faut signaler aussi qu'à Niaïhaï, il n'y a pas d'électricité. Hein? Donc, c'est bien que l'État y pense. Il y a aussi les enfants handicapés du centre Talibou Dabo qui nous ont reçus et aussi des talibés. Il y a eu 3 daras qui ont eu à bénéficier de nos œuvres. Hein? Nous avons été aussi à Ndiaganiao et aussi l'association des veuves du Sénégal ont eu à nous recevoir. Nous pouvons d'ores et déjà dire qu'à Kompentoum, il y a des familles qui ont été ciblées qui recevront leurs dons. Et cela par le biais de Alpha Thiam qui est là, qui est natif de cette zone, qui est membre du groupe, qui est très actif, qui fait partie des plus grands collaborateurs. Ce serait bien aussi qu'on pense à ces zones. Je veux dire d'où proviennent certains de nos membres. Thiès sera aussi approvisionné, de même que Saint-Louis, entre autres.